Et bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Le milieu sur WWE.4. Ah, il m'a aussi de Hall of Fame, bien entendu. Il a mis tous les 18 positions des tombeaux de requête. Voilà, 23, c'est bon. Hop, bon, éliminé comme d'habitude. Anti on the ring. Question super. Ça j'aime pas quoi, c'est parfait. Moi en plus je perds 5 €, super. Allez, on recommence. Donc, il y en a une session, c'est Goldberg. Ouh, c'est serré là. C'est très très serré. Non, c'est quoi, Néon à 65, ça? Ouais, c'est le meilleur à 65, ok, parfait. Ça va, ça va, ça. Ignoration. On s'est dit de 65, pas mal, ça. Crédit, 25 crédits. Soutien. J'ai dit 2,55 et 10 pages de draft. Ok. On va faire ça tout de suite. Hein. Hop. Non, merci. Alors, fusion érection. En 14 minutes. Bon, bon, hop. Tant de crédit. Non. Suspense. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Le RTG, donc du coup le RTG ça va commencer ce soir, hein, du coup au lieu de demain. Du coup au lieu de ce matin. Donc c'est la monstre, c'est George Animal Steel, Ultimate Warrior, Mark Henry Bessa 34, sera le fame Tristratus, Hall of Fame 78. Le Sting Gothic, Ric Flair Néon, Marco Hall of Fame, Triple H Wrestle 35 et Goldberg. Alors, du coup, tiens, on va mettre le superstar là. Donc, du coup, on a aussi dans le pack. Pack of Nord, le pack of coffre en or, Nizmink, Ronda Rousey. Donc, j'ai pro aussi, bah, Bret Hart et Jey Uso. Ça, c'est bon. Hop. Donc oui, il y en a eu des crédits gratuits, des bundles gratuits, des maintenance, donc on le met ça en cadeau. Dans le pack, un pack gratuit, dans la boutique, un cadeau gratuit, donc... C'est 1000 battle point, 250 crédits, 500 battle point. Et après, 500 battle point. Et après, on a plus que c'était après.
Après, bah, c'était, ben... Non, c'est 100 mètres... 100, 500 en bonne ligue. Non, ouais, 500 mètres, point demi, battle point. 100 crédits, 25 tickets. J'ai ouvert un bac 25 tickets, donc j'ai pas eu... pas eu ma carte, malheureusement. J'ai deux gothiques en carte normale. Et deux améliorations brisées. Néon. Ouais, 380, c'est cool ça. Mon dieu. Allez, 381, c'est cool. Ah, j'adore la risette, hein. Il... ça fonctionne pas, hein. On dirait. Allez, nouveau pack 27, c'est qui, on y va. On va voir ce qu'on a. C'est parti. Une brisée, bon, pourquoi pas. J-Stage, et Jean Pro, et Dark Rider, et Néon. Bah, bon. Encore la merde, mais bon, tant pis, hein. Puissance Kyrgyz. Alors, du coup, Zach. J-Stage, Jean Pro. Zach Rider, j'ai Jean Pro. Rien du tout. Superbe. Du coup. L'œil Mysterio, hop, puissance, gros gothique. Du coup, bon, sans attendre, on va chercher la fusion. Sans plus attendre, mais m'en fiche. Tac. C'est bon. Hop. On va pas aller plus loin. Et attention. Oui, j'attends 5. J'ai bien fait, bien fait, bien fait. Et attention. Jimmy Uso. Sur une pro, je crois. Non, non, c'est pas une pro. Jimmy Uso, ça fait une single, je pense. Ils sont quand même à 35, c'est cool. Ouh, ça. Bon, je me fais pas attendre, hein. Je crois que c'est fait single, hein, j'ai eu au saut. Ou non, c'est une pro, je ne sais pas. Donc, je vais vérifier ça. J'ai eu au saut. Oh, c'est fait single. Oh, j'avais pas, j'ai eu au saut. Non, j'avais pas, non, c'est fait single. Bon, bah, c'est pas mal, mais ça fait une garde d'entraînement en plus, c'est bien, tout ça. Jimmy Uso. La vitesse carrière. 1, 2, 1 et 2. Ouais. On a qui image du coup. Fusion est pas mal. Donc, au général, 65. Hop. Nous, je brogue Star, John Cena, Batista, Best of Black, Kofi Kingston, Andrade, Kurt Angle, Ricochet, Braun Strowman, Adam Cole, baby. J'ai eu ça, ouais. J'ai eu ça, bah, non, j'ai fait eu ça On met 65, c'est cool. On peut qu'à les entraîner. Hop. Du coup, ben, on se base, hein. On va aider.
Le coup j'entraînerai ça en off hein. Du coup bah j'ai roulé mis ça, je vais changer, je vais mettre F35, Jin Uso. Donc voilà, je peux tenir Horizontri aussi. Donc maintenant, on va continuer le voir hein, un petit peu. Hop, et on continue. On espère avoir une push, hein, parce que bon, il y a déjà une semaine que j'ai pas pêché une 35, hein. Ma dernière push était Tony Storm. Après, plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Donc, ça a devenu un petit peu énervant pour moi de pas pêcher une 35, hein. Mais bon. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Il faut être patient. Maintenant je vais trouver une ascension de Rey Mysterio en vitesse. L'amélioration de vitesse, parfait. Très bien. Comme ça, il est très bien. Il est très bon. Bon, Rey Mysterio. Black à Black à 619. Un coup de toujours champion à dire. Monsieur McFly a présenté un nouveau championnat. Le championnat 24-7 Championship. Donc c'est le championnat défendu 24h sur 24. C'est dur sur 7, donc voilà, on a connu un nouveau tout premier championnat, c'était Sunil. Il a commencé à sentir pendant 1 minute. Après il a perdu face à Robert Roode a commencé pendant quelques minutes. Le titre du Force 7 Championship, on le super pin par Andrew. Juste avant que sa voiture, bah, soit. Juste avant que. Il s'en aille avec sa voiture. Et après, bah, victoire de Andrew qui devient le nouveau champion. 24-7, donc la grosse soirée pendant 2 jours. Ouais, 2 jours. 2 jours, mais là aujourd'hui, bah, je sais pas s'il conserve, hein. Mais il est toujours recherché par un certain Drake Maverick. Qui poste des alertes de recherche partout, je sais pas pourquoi, bon. C'est la profession maintenant. Il veut le titre, il veut le titre, il veut le titre de Drake Maverick. Alors c'est pour ça qu'il bah, fait des. Il fait des photocopies que photos de Rancho avec son titre en disant la recherche de Rancho avec le titre 24-7 Whisper Star Contact me Drake Maverick voilà. Bref, on verra ce que ça donnera. Hein. C'est vraiment un nouveau champion, c'est cool ça d'avoir un nouveau champion. Bref, alors du coup, tac. Ensuite, on a eu Brock Lesnar qui est de l'Euro parce que Brock Lesnar a remporté la mallette. Money in the Bank. Becky Lynch a perdu une ceinture, c'est-à-dire de The Spring Women's Championship, aux dépens de Charlotte Flair qui a attaqué. Charlotte Flair a attaqué Becky Lynch après le match avec Lacey Evans. Bayley intervient. Hop. Bayley to Bayley sur Lacey Evans. Et après l'attaque Charlotte Flair en représailles de la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Et Cashing, eh bien, et Cashing sur Charlotte Flair
Prob, et hop, 1, 2, 3, Bayley devient nouvelle championne de SmackDown Live. C'est cool. Ensuite, c'est Becky qui commence à son titre entre Lacey Evans, tout simplement. Après, Maro, il y en a eu Yuta, on a eu Uso qui a battu The Revival. Après, on a eu Thomas Kinter qui a battu The Miz. D'ailleurs, dans ce match de Thomas Kinter, The Miz a été. Le mien était sombre parce que la Mikfei qui présentait son nouveau titre. Et il a dit que les lumières allaient être sombres à partir de la troisième heure de show pour changer d'ambiance, pour changer d'ambiance en fait. Moi, je pourquoi pas, pour que ça fasse augmenter l'audience, c'est cool. Donc voilà. Hop, le premier élément c'était Roman. Ouais, c'est Roman Reigns entre. Je me souviens plus. Ah mais c'est trop, c'est Kofi Kingston contre Bobby Lashley et Drew McIntyre et pas encore mais donc c'est trop Ince. Ouais c'est trop Ince et Kofi Kingston qui ont gagné face à pas encore mais et Bobby Lashley. Après on a rien de spécial dans le show, je pense. Non, on a rien de spécial. Bon, on a Ricochet qui a perdu face à 6-0. Oula, j'ai 17 000, donc j'ai même pas vu le temps passer. Bon, on s'arrête là, on va pas faire plus. Bon, sur le live, on a rien de spécial, on a juste eu le retour de Dolph Ziggler qui a attaqué Kofi Kingston sauvagement. Et Dolph Ziggler, il affrontera Kofi Kingston pour le titre de WWE Championship à Rust à Super Showdown, et puis voilà. Donc voilà, sur ce, si cette vidéo vous aura plu, je vais mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, et au-delà de ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée, et à la prochaine!